Dieu est au milieu d'elle. Elle est ébranlée, Dieu le secours de l'eau du matin. De nations s'agite, le royaume s'ébranle. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous et notre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, c'est la ravage qu'il opère sur la terre. Amen. I am weak, but
Dieu tout-puissant, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le donateur de sang, excellent Seigneur, nous te rendons depuis ton action de grâce. Pour la vie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Pour la bonne santé, Seigneur, que tu nous donnes, Père. Nous te rendons grâce, Père. Ô Dieu, pour nous avoir amenés encore dans ta maison, Seigneur. C'est un privilège, ô Dieu tout-puissant. Parce que beaucoup sont souffrants et malades, Seigneur. Ô Dieu tout-puissant, dans des difficultés, Seigneur. Mais par ta grâce, ô Dieu, tu as eu pitié de nous, Seigneur. Pour que nous puissions encore nous tenir, Père, dans ta sainte présence, Seigneur. Ô Dieu, nous savons, Seigneur, ô Dieu, que nous sommes faibles. Ô Dieu, nous savons, Père Céleste, que nous tombons de plusieurs manières. Mais nous comptons, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce insondable, Père Céleste. Bénis tout un chacun, Seigneur. Nous pensons notre frère Père, ô Dieu, qui est souffrant, qui est malade. Que toi, ô Dieu, que tu puisses nous donner, Seigneur, la bonne santé, Seigneur. Guéris-le, Seigneur, ô Dieu tout-puissant. Parce que toi, tu as dit, Père, tu as promis, Père, ô Dieu tout-puissant, au temps de la fin, Seigneur, nous ferons des exploits, Père Céleste. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Père, ô Dieu tout-puissant, étends ta main, Seigneur, qu'il puisse être guéri là où il est, Seigneur. Bénis ces cultes, Seigneur. Bénis les chants, Père. Tout ce que nous allons faire dans ce lieu, que ce soit une bénédiction, ô Dieu, pour tout un chacun de nos pères. Nous prions, Père, pour la prédication. Bénis notre pasteur, Seigneur. Bénis les enseignements, Seigneur. Que cela, Seigneur, puisse nous édifier et nous amener, Seigneur, plus près de toi. Pour tout et pour tout, nous remettons tout entre tes saintes mains. Reçois la gloire, Père Céleste. Reçois l'honneur, la puissance, au siècle des siècles, Père. Car tu la mérites, Père. Ô Dieu tout-puissant. Parce qu'il n'y avait personne, Père, qui était digne, ô Dieu tout-puissant, de prendre les livres et de les regarder, Seigneur. J'en plairai, Seigneur. Ô Dieu, mais lui a été digne, j'en ne pleure pas. Car l'agneau a vaincu et il est digne de prendre les livres et de rompre les sept sceaux. Ô Père, merci Père Céleste pour ta parole. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors que nous chantons Jésus, nous te couvrons. Nous te proclamons roi.
thank you for coming into the house of the Lord to worship with us. Amen. And now we're going to sing one song. And then after that, we got a special song. Amen. We're going to take, let's talk about Jesus. Let's talk about Jesus. Hallelujah. Oh.
one scene. She got a special song. Oh, so I
Yeah.
n'y a pas l'interprète. Le frère ici, il faut le reposer un peu. Hein? Il est au four et au moulin, ce n'est pas bien. Les interprètes ne sont pas là. Ah, non. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en nom de Jésus Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ. Pour cette opportunité qu'il nous donne de venir encore dans la maison de Dieu. Cette opportunité qu'il nous donne pour coming to the house of the Lord. Les vendredis, nous étions ici en prière. On Friday, we were here in prayer. Je crois que vous avez aimé ça, n'est-ce pas? I believe that you loved it. Gloire à Dieu. Glory to the Lord. Alors, on va avoir un autre. The next Friday. On va communiquer la date. We will give you the date. Cette fois-ci, il y aura deux prédicateurs. This time there will be two preachers. Il y avait seulement un prédicateur, pourquoi nous avons terminé? We only had one preacher, that is why we finished. Instead of coming back, quand bien arrêter seulement, let's just stop. On fonce et puis on arrête. Let's just go on and retourne à la maison pour ceux qui vont travailler. For those who need to work. Les samedis. Sunday, on Saturday, that's right. C'était bien. But it was wonderful. Je vous conseillerais. Vous qui n'étiez pas là, I would advise you, those who weren't here, d'être là prochainement, to be here next time. Bon, il y a l'annonce pour le baptême. There is an announcement for baptism. C'est confirmé, hein? It is confirmed. Il y a le baptême le dimanche prochain. There is baptism next Sunday. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé pour There ça. Is someone who asked for it. Et nous voulons donner l'opportunité. But we would like to give the opportunity to whosoever would also want se faire baptiser, to be baptized. Amen. Ou refaire les baptêmes. Or to renew their vows. Alors, this is why. Contactez-nous. Let's contact us. Comme ça, on aura les baptêmes le dimanche prochain. We may have baptism après les services, hein? After the service. Amen. Amen. Tu as bien retenu ça? You all understood that? Celui qui a besoin de baptême. Whosoever want to be baptized. Il veut renouveler son baptême. Like to renew their baptism. Venez, on aura le baptême le dimanche prochain. We will have baptism next Sunday. Amen. Amen. Alors sans plus tarder. Without any further delay, you may stand on your feet. Nous reprenons avec notre enseignement sur les livres d'Apocalypse. We are going back with our teaching upon the book of Revelation. Nous lisons Apocalypse chapitre 2. We read Revelation chapter 2. Verset 18, verse 18. Jusqu'au verset 29. To verse 29. Longue lecture. It is a really long reading. Écrit à l'ange de l'église de Thyatira. To the angel of the church of Thyatira, right. Voici ce que dit le Fils de Dieu. This is the messenger from the Son of God. Celui qui a les yeux comme une flamme. Whose eyes are like a blazing fire. Et dont les pieds sont semblables à des lèvres ardentes. Whose feet are like shining polished bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, thy works, ta foi, thy love and thy faithfulness, ton fidèle service, your service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. And I know your many works more than the first. Mais ce que j'ai contre toi, but this is what I c'est que tu laisses la femme de Jézabel qui s'est dit prophétesse, tolerates the woman Jezebel who calls herself a priest, enseigner et séduire mes serviteurs. By her teaching, enticing my servants. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Into practicing sexual immorality so they may eat that which is offered to idols. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repente. I have given her time for her to repent of her sin. Et ne veut pas se repentir de son impudicité. But she does not want to repent of her immorality. Voici, je vais le jeter sur un lit.
Therefore, I will throw her onto a bed. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. And those who committed adultery with her, I will send a great tribulation. À moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. I will do this now unless they repent of their wicked things. Je ferai mourir de mort ses enfants. I will kill her followers. Et toutes les églises connaîtront que Jésus, c'est lui qui sonde le cœur. Et les reins. And then all the churches will know that I am the one who searches the thoughts and the heart. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. And I will vous pay each one according to their works. You may be seated. À vous, à tous les autres de Thyatire. But to the rest of you in Thyatira. Qui ne reçoivent pas cette doctrine. Those who do not follow this evil teaching. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Who do not learn the depth of Satan's secrets, comme ils les appellent, as they call it, je vous dis, I say unto thee, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, that I do not put on you other punishments, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne, continue to the end until I come, à celui qui vaincra et qui gardera, jusqu'à la fin mes œuvres, those who will be victory and continue to keep my word, je donnerai autorité sur les nations. I will give the authority over the nations. Il les pètera avec une verge de fer, and will rule it with an iron rod, comme on brise le vase d'argile, to break them to pieces like clay pots. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon père. And I will also give them the morning star. Je donnerai l'étoile du matin, et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Let he who has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Seigneur Dieu, Lord Jesus Christ, Jésus-Christ, Lord Almighty, nous avons lu la parole. We have read the word. Et nous te prions, Seigneur, we pray unto you, Lord, de nous oindre, Seigneur. That you may anoint que le Saint-Esprit entre en l'air. The Holy Spirit may come unto pour parler à chacun de nos cœurs. Inspire-nous, Dieu de William Branham, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Inspire us, Lord of William Branham. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ok, comme je disais, as I was saying, nous sommes reconnaissants au Seigneur. That we are thankful unto the Lord. On nous a donné, nous les prédicateurs, ces cadeaux ici. The preachers that have given us this gift. Pour essuyer comme la chaleur. To wipe our forehead. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. We are thankful unto the Lord. Et que Dieu bénisse le frère qui the Lord bless the brother who has bought it. Pensez à nous. We will serve it. Ça vient de loin, très loin. It comes from far, very c'est ce qui fait sa spécialité. It is special. That's what makes it special. Amen. Amen. Nous avons besoin de ça. We need it. Quand nous prêchons, because when we preach, la chaleur vient, with this heat, on peut s'essuyer avec. We can mop our forehead. Ce qui est mauvais, c'est griffer. Hein? What is wonderful that it has. Ce n'est pas comme ce que nous achetons ici. It is not like the one we buy in ouais, la marque et la broderie. But you see, there is a mark and a crest. We are so thankful. Et vous avez tout le temps pensé that you had all à des the time choses comme ça. To think of such things. Et que Dieu vous bénisse. The Lord bless you all. Amen. Les sept âges de l'Église, c'est là où nous sommes. Comme dit le prophète. Yes, the prophet says, dans les livres d'Apocalypse, the book of Revelation, le premier chapitre, the first chapter, deuxième jusqu'au troisième, the second and the third, le prophète dit, the prophet il est question des âges de l'Église. Amen. Amen. Et nous sommes dans les âges and we are in the ages of the church. Parce que nous sommes au deuxième chapitre d'Apocalypse. We are now in the second chapter of Revelation. Et nous sommes arrivés au quatrième âge. We have reached to the fourth age, qui est l'église de Thyatira. Which is the church of Thyatira. Amen. Amen. Souvenez-vous, remember, on n'a pas le temps de faire les rappels. We do not have time to parce do some summaries because we have to move on. Au mois de mars, ça fera. In the month of March. Une année, hein? One year. Mais nous sommes quoi? But we are quatre now. Au we are still in the fourth. Just at the beginning. Alors on doit vraiment faire un before we must move on to finish. Au chapitre 4, so that we may go to chapter 4, 5. The book of Revelation. C'est un enseignement de base pour l'Église. It is a teaching for the foundation of the church. Les sceaux,
The ages, the sins, bases, these are foundations. Même pour nous les prédicateurs, even for us preachers, quand tu maîtrises ça, when et les 70 semaines de Daniel, and the 70, tu as les plans de la rédemption. 70 weeks of Daniel, you have the plan et of redemption. Tout ce que tu vas prêcher, everything that you will preach about, la prophétie, it will be the prophecy, tu sais où les placer, it où les is situer. To place and to teach it. Et c'est bien que vous ayez ça. It's nice that you may have that. Comme ça, any prédicateur so qui viendra, any preacher who may come, lui n'a pas le temps pour vous enseigner. He does not have time to parce teach qu'il a un temps court. He has only il va seulement time, prêcher. You will only preach, vous allez vous retrouver. And you will find yourself, parce que vous avez déjà été enseigné. You were already taught. Amen. Beaucoup de gens ne croient pas. Many people do not believe que les sept églises dont la Bible parle dans Apocalypse, the Bible speaks chapitre 1. In chapter 1, parce que Jean était dans l'île de Patmos, was in the island il a vu la vision de Jésus. He saw the vision of the Lord Jesus Christ. Jésus dans sa forme, in his form, quand il vient dans sa seconde, when he comes in his second coming, il n'a pas vu le Jésus qui marchait avec lui. He did not see the Jesus who walked parce que Jean, c'était l'apôtre de Jésus. John was an apostle. Et c'était l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. And he was the apostle God. La Bible dit qu'il était tout le temps sur la poitrine du Seigneur. He was always in the bosom of the Lord. Et le Seigneur l'aimait. And the Lord loved him. Mais quand il a regardé, when he looked at him, tu es Jean. He said, you are John. Mais tu t'appellerais, but you will be called Boanerges. Boanerges. C'est-à-dire fils de tonnerre. Son of thunder. Il dit, he says, toi, you, si je veux que tu restes jusqu'à ce I want you to remain until je reviens. Until my return, au point que les autres pensaient que Jean vivrait jusqu'à l'avenir du Seigneur. Even the others thought that John will live until the second coming mais of the Lord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? But what happened? Jean a vu John saw l'avenir du Seigneur. Dans l'île de Patmos, le Jésus que Jean a vu, qui marchait, who was walking, dans les chandeliers, in the midst of the candlestick, ce n'était pas, I mean, it was not, l'homme qui sur les la poitrine de qui il mettait tout le temps sa tête. Non. John put his boot, his head on the bosom. Parce que Jean dit dans l'île de Patmos, in the island of Patmos, il a entendu une voix, he heard a voice, comme le son de la trompette, as the voice of a thunder. Il s'est tourné pour and voir la voix. The voice. Il a dit, il a vu quelqu'un, he saw someone, comme un fils de l'homme. Like a son of man. Vous comprenez? Si c'était Jésus, if it was Jesus, j'ai vu Jésus. Qui c'était là? Mais non, il ne dit pas Jésus. Il dit, c'est moi, j'ai vu quelqu'un comme un fils de l'homme. Et il commence à donner les caractéristiques de cet homme-là. Et quand vous suivez cela, vous voyez qu'il s'agit de Jésus-Christ. Mais dans la forme, dans la manifestation, il aura dans sa seconde venue. Amen. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse, the book of Revelation, c'est le livre prophétique. Prophetic book. Le prophète dit, the prophet says, c'est le seul livre that it is the only qui a eu l'approbation, which had qui se termine avec la signature which had de Jésus-Christ lui-même. To finish the signature of Jesus Christ himself. Amen. Amen. That's true. Et le premier chapitre jusqu'au 3, the first chapter to the third, le prophète dit ce sont des âges. They are ages. Et les sept églises. And the seven church ages. Parce que l'Esprit a dit à Jean, the Spirit says to ce que John, tu vois, ce que tu entends, écris-les. Write it down. Et envoie-les aux sept églises. To the seven churches. Il a nommé Éphèse. He named Ephesus. Le deuxième, c'est quoi? What is the second? What is the ah, second? Vous avez oublié. Have you forgotten? Ah, les frères disent soumis. Soyez avec moi, nous sommes dans notre maison. We are in our house. You must be amen. At ease. Le deuxième est soumis. Le troisième est Pergame. On vient de terminer Pergame. Quatrième, Thyatire. Cinquième, the third will be Sardes. Le sixième, the third will be Philadelphie. Le septième, le dernier, Laodicée. Laodicée. Amen.
Mais le Seigneur a pris ces églises-là parce que c'était des églises qui étaient dans ces villes-là, en Asie mineure. Aujourd'hui, c'est vers la Turquie. Around Turkey. La Turquie ici. Around Turkey. C'est là-bas. It is around qui avait ces sept églises. Which was those seven churches. Amen. Amen. Mais remarquez, but notice, en dehors de ces sept églises, of those seven churches, il y avait d'autres églises du there Seigneur. Were also other churches of the Lord. À Jérusalem, il y avait l'église. À Rome, il y avait l'église. Chez les Galates, il y avait. Chez les Galatiens, il y avait beaucoup d'églises. There were many churches. Amen. Amen. Mais l'Esprit. But the Spirit. Est resté seulement sur ces sept. Le prophète nous dit, the prophet c'est parce que ces sept églises seven churches avaient les caractéristiques the et la ville et l'église. The city, et ce qui se passait dans la ville, what was happening in that town, tout ça faisait les caractéristiques was bringing forth the characteristics de ce que serait l'église the church au cours de sept âges. Ages. Amen. Amen. Vous comprenez ça? You understand that? La première, the first, c'était Éphèse. It was Ephesus. Quand l'Esprit parle d'Éphèse, when the Spirit speaks about Ephesus, il se réfère he refers à ce qui se passerait what will happen au premier âge de l'Église. The first age of the church. On a appelé ça l'Église d'Éphèse. We called it the Church of Ephesus. Une référence. And it took reference. Maintenant nous sommes à Thyatira. But now we are in Thyatira. Et c'est la même chose. And it is the very same thing. Et avant d'aller, nous voulons d'abord introduire would cela. Like us to introduce it. On introduit d'abord Thyatira. En commençant par donner l'historique. By giving the history de Thyatira. Of Thyatira. Vous allez comprendre you dans la suite. Understand parce qu'il doit y avoir des caractéristiques they must be characteristics dans la ville in the city. Et ce qui s'est passé dans and cette ville-là et dans cette église-là qui correspondait au quatrième âge de l'église. The fourth age of the church. L'église de Thyatira. The church of Thyatira. Amen. Thyatira a les caractéristiques the characteristics de ce qui s'est passé là of what ouvrez les oreilles au quatrième âge de l'église. The seventh church, fourth church, fourth age of the church. Et c'est plus pour nous more for us l'histoire. History. Parce qu'on n'a pas vécu à cette époque-là. Because we did not live in that era. Le premier âge. The first age. A commencé de 53 jusqu'à 170. Started from 53 to 170. Le deuxième âge. The second age. Est parti de 170. From 170. L'an 170. Jusqu'à 312. To 312. Pergame est allé. De 312. From 312. À 606. To 606. Mais dans l'âge de Thyatira. Now the age of Thyatira. L'âge dans lequel nous entamons, nous introduisons aujourd'hui. Commence de 606. From 606. Ça va jusqu'à 1520, donc 1520. 520. Vous allez remarquer que c'est l'âge le plus long de tous les âges. It is the longest age of all the churches. À peu près 914 ans. Almost about 1,000 years. Éphèse était 117 ans. Éphèse was 170. Smyrne c'était 142. Smyrne was 142. Pergame 294. Pergame 2. Sardes c'est 230. Philadelphie c'est 156. Mais Thyatira lui, Thyatira is c'est 900. It's about 914. 914, almost 1,000 years. Amen. Amen. Nous sommes en train d'introduire ça, n'est-ce pas? We are introducing it. Alors, Frère Branham a dit, Brother Branham says, ça a exposé, in his book, à la page 205, page parlant de Thyatira, il dit ceci. Speaking of Thyatira, he says, il dit Thyatira, historiquement, c'est la cité de Thyatira. It is the city of Thyatira. C'était la cité la moins remarquable des sept villes. It was the least remarkable of all those cities in qui sont cités dans les livres d'Apocalypse. Which is mentioned in the Revelation. Elle s'est trouvée au confins de la Mysie et des Ionie. It was found between those cities.
Même dans la positionnement, even in par rapport à cette autre église, according to the, any other il church, est entre Pergame, it is between Pergamus et Sardes. And Sardis. Il est là au milieu. It, the city is in the middle. Vous allez comprendre toutes ces choses-là. All those things. Parce que Sardes, on a vu, Sardis, we saw, Pergame, Pergamus, c'était l'église qui s'est mariée à it was the church that got married to the l'église s'est organisée. The church organized itself, and the church became powerful. Et and the age of Titanus, we call it ténèbres. The age of darkness. Amen. Là, c'est l'Église it is the qui avait la force, who had the power, qui who was persecuting, amen, les vrais chrétiens, the true Christians. Introduisons d'abord. Let's introduce it. Ici, on dit qu'il y a Tiati avec plusieurs cours d'eau passés à proximité. Mais il était plein de censures. But it was full of. Il y avait des marécages. Vous connaissez les censures, n'est-ce pas? You know what it is? Ce sont des petits vers qui suent les sangs. Il y a des blood sacs. Il dit, c'est très remarqué. C'est le mot. C'est cette ville de church était la richesse économique qu'elle lui apportait les corporations. Which was about the. Les gens s'étaient organisés en corporations. People organized themselves in making dans le business, dans l'économie. In business. Ceux qui faisaient les cuirs, those who qui travaillaient les peaux des animaux, working ceux on qui leader, travaillaient les habits, those who working on clothes, ceux qui travaillaient, donc les gens s'étaient organisés en corporation, et ça faisait une force and it gave économique the power to that town. À Thyatire. Amen. Et la Bible dit, the Bible says, Lydie, that Lydia, vous connaissez Lydie, n'est-ce pas? You know Lydia, the country, cette sœur-là, la première convertie de Paul en Europe. In Europe, elle était originaire she was from Thyatira. Ah bon, je dois lire la Bible. Let me read the Bible. Faut lire la Bible. You must read the Bible. Parce que ça, on perd les temps. Because this, we are kind of wasting time. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, let's read in Acts of Apostles, chapitre 16. Chapter 16. Ici, c'est Paul. Here quand il est Paul, vers les Macédoines là-bas, when he is near le verset, depuis le verset 13 jusqu'au verset 15, 13 to verse 15, il dit, les jours du sabbat, on the Sabbath, les jours du sabbat, on the Sabbath day, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions qu'il we went out to a city in a riverside, se trouvait un lieu de prière, un lieu de prière. It would be a place where we would pray. Nous nous assîmes et nous partâmes. Et nous parlâmes we aux said, femmes we said qui étaient réunies. We talked to the women who were gathered. On va conjuguer son air. Pas si simple. Ils ont sonné des mots ce soir. Donc nous parlâmes aux femmes qui we étaient réunies. We sat down and talked to the women who were gathered. L'une d'elles nommée Lydie. One of those name was Lydia. Marchande de pourpre. From Titanic. Elle était commerçante. She was a businessman. Elle vendait les habits. She was selling clothes valeurs. Of value. Hein, les habits. Those wool. Chers. Those expensive. Those luxurious. C'était une businesswoman. Elle était parmi ceux qui suivaient Paul. She was among those converted by Paul. Il dit. He says. L'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre. One of them called Lydia. De la ville de Thyatire. Vous lisez avec moi. Amen. Voyez, et était une femme craignant Dieu. She was a woman worshiping God. Et elle écoutait. And she heard. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. The Lord opened pour her heart qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Attention to what Paul was saying. Il dit lorsqu'elle y était baptisée. So when she was baptized avec sa famille, with her entire family, elle nous fit cette demande. She asked this. She gave this invite. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, ça c'est Lydie qui parle à Paul. This is Lydia après to Paul. Qu'elle soit convertie. After she was converted, elle s'est repentie et elle a eu son baptême. She repented and received her baptism. Pas seulement elle. Not only her. Elle et sa famille. Her and her entire family. C'est ce que Jésus disait. This is what Jesus Christ quand said. Quand tu trouves une perle when de grande valeur, when you find a pearl of good value,
Tu vas appeler les autres. C'est ce que la Bible dit là, par moment, n'est-ce pas? Mais vous avez trouvé quel le salut. Vous avez trouvé Jésus-Christ. Vous avez trouvé la parole. Quelque chose de valeureux pour ton âme. Mais tu les gardes pour toi-même. Mais quand Lydia a cru, Lydia, when she believed, elle a pris aussi toute sa famille. She also took her entire family along. C'est ce que vous devez faire. This is what you must do. Quand Dieu permet que quelqu'un vienne habiter chez toi, someone to come to live in your place, et qu'il n'est pas croyant, she is not, ne laisse pas cette personne là partir. Not allow that person to just go. S'il est de passage, if she is, sans que tu l'amènes au Seigneur, you taking her to the Lord. Amen. Ce n'est pas normal. It is not normal. Vous les parents, vous êtes chrétiens. You parents are Christian. Remplis du Saint-Esprit. Filled with the Holy Spirit. Mais vos enfants, and yet your children, et votre famille, and your entire family, ne croient pas. They do not believe. Ce n'est pas normal. It is not normal. Amen. Quand Lydia a cru, when Lydia believed, elle a cru avec toute sa famille. She believed with her entire family. Mais écoutez maintenant la Bible. Hein. Listen to what the Bible says. Après qu'il ait reçu after le salut, il suppliait maintenant Paul. She now was begging Paul. Il dit, Paul, says Paul, si vous me jugez fidèle au Seigneur, if you found me worthy towards the Lord, entrez dans ma maison, come and stay in my house, et demeurez-y, and abide. Et elle nous pressa, and she persuaded par ses instances, by her words, amen. Elle avait reçu quelque chose she de valeur. She received something of value. C'est ce que Paul dit. This is what Paul says. Nous vous avons donné. We have given unto thee des choses spirituelles. Things, spiritual things. Ne méritons-nous pas? Do not we deserve prendre de vous to take from des you choses matérielles? Some material things. Amen. À moins que unless vous n'avez reçu rien. You have received nothing. Mais si vous avez reçu quelque chose, you have received something, et que vous avez quelque chose, and you have que vous pouvez donner pour montrer ton amour, that you want, qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi, to give to tu le montres dans tes ailes, you are showing it tu le montres dans ta vie, you are showing it by your life. Tu veux montrer au Seigneur you que want tu l'aimes, show to the Lord that tu crois en lui. That you believe in. C'est ce que Lydia avait fait. This is what Lydia did. Elle était l'une des premières croyantes de Paul en Europe là-bas. Mais elle était Asia. Originaire de Thyatire. Oh, quand je lis l'histoire de Lydia ici, I read the story of Lydia, j'ai beaucoup aimé. The pastor loved it. Il avait dans son cœur. She had parce que dans cette ville-là, city, Paul a eu des problèmes. Paul had problems. Lui et Silas, il fut même arrêté. He and Silas, they were mais Dieu les a délivrés. But the Lord delivered them. Amen. Après leur délivrance, after their freedom from prison, Lydie est revenue encore. Lydia came là, back. Là, au verset 40. In verse 40. La Bible dit, restez encore chez moi, she frère. Says, je ne savais pas. Quelle révélation avait cette femme-là? She didn't know, I don't know what revelation that woman elle s'empressait, c'est elle qui a pressé. She was the one inviting them. Frère bien-aimé. Brother beloved. Mes sœurs. Sisters, j'ai suivi dans la Bible. I have followed in et les lecteurs de la Bible, vous le savez. The readers of the message, il y a eu des femmes qui se sont fait remarquer made themselves noticeable dans la Bible, in the Bible parce qu'ils soutenaient les hommes de Dieu. Men of God. En soutenant les hommes de Dieu, ils soutenaient les royaumes they de were Dieu. Supporting the kingdom of God. Amen. Quand on prêche ces choses, when we preach these things, he also wants to, what does he want? Soit d'ailleurs, oh, so go, soit. Just take, moi, je fais mon travail. Take, je prêche la parole. I am preaching c'est the word. Dans la Bible, it ces is choses. In the Bible. Comme c'est dans la Bible, as it on is doit prêcher ça. We must preach it. Et I mean, nous laissons ça entre vos mains. We are leaving it in your si hands. Dieu vous donne la révélation, vous en tirerez les bénéfices. You will take your benefits. Amen. Ne pensez pas. Moi, je ne fais que mon travail. Moi, on m'a parlé de ça. La Bible, elle dit, je prêche ça. And I'm just preaching it. Yes, quand j'ai prêché when I was preaching, à Éphèse, in Ephesians, je n'ai pas parlé de ça. The pastor didn't c'est parce que nous sommes arrivés là, because we have on doit parler here, de ça. We must speak of it. Amen. 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 Amen.
On va descendre, mais on va dire des choses trop dures. You will say spécialement pour les femmes. Especially for women. Na kane liminote. I do not. I'm not angry against you. Na kane liminote. I am not cross. Je ne fais que prêcher. I am just preaching. Amen. Parce que Thyatira, ça veut dire quoi? Because Thyatira, what does it mean? Ça veut dire quoi? It means a femme dominante. It means a ruling woman. Amen. C'est ça. That's what it means. That you have already an idea. Oh, c'est bon. Amen. Parlons de Lydie. Let's speak of Lydia. Une femme très disposée. A woman who was very willing. Quand vous allez dans la Bible, when you go into the Bible, il y a une femme qui ont soutenu les hommes. There were many women who supported men. Et Dieu s'est souvenu toujours. God remembered them. Amen. Aujourd'hui nous parlons de Lydie, n'est-ce pas? Today we are speaking of Lydia. Son nom est resté mémorial dans la parole de Dieu. In the word of the Lord. Elle est partie, ça fait longtemps. She left. Mais aujourd'hui nous parlons d'elle. Years, but today we are speaking of her. Voilà les icônes. These are the echoes in the side of the nous women. Les icônes, les stars, we are païennes, the echoes of stars. Nous les chrétiens, we Christians, nous avons des modèles, oui, des icônes dans la Bible. Bible. L'une d'elles, c'est Lydie. One of them, it is Lydia. Elle a soutenu Paul. Supporting Paul. Amen. Paul lui a donné la bénédiction spirituelle. The blessing, pour les tours, il voulait faire aussi quelque chose. And in return, she qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai? Venez rester chez moi. Well, come and live with me. Et les femmes qui ont fait ça dans la and Bible, women who did that in the, ils in the ont Bible, été récompensés. They were et ils sont restés des modèles dans la they Bible. Remain. Amen. Depuis l'Ancien Testament. Since from the Old. Vous vous souvenez de Rahab, n'est-ce pas? You know of the woman Rahab. Une femme comme tous les autres femmes. She was a woman like any other. Habitant aussi Jéricho. Also living in Jericho. Des nationalités aussi de Jéricho. And also a person from Jericho. Mais dans son cœur, quand il a rencontré le messager de Dieu, met the messenger of the Lord, il a crié. She believed à leur Dieu in their et à leur message. And in their message. Il ne s'est pas arrêté là. She did not stop there. Il les a gardés. But she kept them. Rab a risqué même sa vie. Rab risked her own life. Parce que quand on est venu chercher, when he was searching for them, il ne devait pas garder les messages. She could not keep the messages. Les ennemis. Because they were the enemies. Ils cherchaient à détruire Jéricho. They wanted to destroy Jericho. Mais elle tellement avait she believed. Dans leur message, in their message, elle a gardé. That she kept them safe. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? What did the Lord do? Lui a promis la vie. She promised her life. Quand Jéricho était voué à la destruction, Jericho was made, was cette femme-là, that woman, était sauvée. And her house was saved. Mais remarquez, but notice, elle n'est pas sauvée seule. She was not saved alone. Elle est sauvée avec sa femme. She was saved with her entire house. Elle était intelligente. She was clever. Je comprends bien. Elle était intelligente. She was wise. C'est ce que nous devons this faire. This is what we must do. Quand le temps est arrivé, when time comes, il a vu Israël en bas là-bas. She saw Israel. Les messagers said, m'avaient dit. Oh, the messenger, they told me that ce que Moïse a dit, what Moses ce que Josué plutôt what a dit, Joshua arriverait, je crois à leur Dieu. It will happen, I believe in elle a réuni toute sa famille. She gathered all her elle les a mis family, sous le signe. And she placed them under a sign. Le signe rouge. The sign, the red sign. Parce que le messager lui because a dit, the messenger told pour her être sauvé, to be saved, il faut placer les tops you must place rouge a sur a la red linen top on the window. Et elle croyait. And she believed. Elle pouvait dire ah bateau. She would say ah these people. Ah, let them go like they have come. It has no foundation. Just for small things. Non, ce n'était pas comme ça. It was not like elle croyait. She believed in what they told her. Et elle a obéi. And she obeyed. Elle a placé le rideau. And she placed that sign. Brother Branham preached upon le signe. The sign. Quand l'ange de la mort s'approchait, il pouvait voir le signe rouge, le signe de sang de Jésus. Which is the blood of the Lord Jesus Christ. Elle était épargnée and she de la colère de Dieu. Of
the anger elle of the Lord. Ainsi que toute she sa famille. And her entire family. Mother, I know we do not live with you. Anymore. I know I don't have a good life. But I am telling you something. I have received the message of the Lord for your salvation. I am not the one who I believe the message. Pour votre salut. For your salvation. Come and hide yourself. Come and hide. Il n'a pas laissé sa famille. She did not mourir leave avec les die with all the mais elle a fait tout. But she did everything. She did bring her family to her. Family. This is how she saved her family. I am repeating. Toi, tu as le message. You have the tu as message. La parole. You have tu the as word. Jesus Christ. You have Jesus Christ. Qu'est-ce que tu fais de ça? Then what are you doing with it? Même tes amis. Even your friends. Au travail ou à l'école. At work or at qu'est-ce home. Que tu fais de ça? At school, what are you doing with it? Quand tu te rencontres avec eux, tu deviens un peu comme un païen, comme un chrétien. To them, you begin to blend as a pagan. Au lieu de les gagner, c'est eux qui te influencent. À l'église, tu viens chrétien. At home, you are believer. Quand tu rencontres les frères et sœurs chrétiens. À l'école, là-bas, brethren, but at home, on ne sait pas te juger. We do not know how to judge you. Amen. Au contraire, c'est toi qui les fais rentrer. It is you who should bring them in. Sauver les âmes. Who should save the souls. Mais cet acte-là, il a nourri les messagers, il les a soignés. She took care of them. Il a au retour, il a and in return, she received the reward. Au point qu'il s'est marié, vous savez, n'est-ce pas? She married avec un général de l'armée de l'Éternel. Of the army of Israel. Amen. 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 Et Boaz, and Boaz est venu de la descendance de cette from femme. Her descendant. Au point que même Jésus, Jesus dans la descendance de Jésus, dans la lignée de Jésus, cette femme-là était incorporée. Mais elle n'est pas hébreu. Elle n'est pas israélite. She was not mais à cause de sa foi, de son action-là, Dieu l'a pris là incorporée dans la lignée de Dieu. In the lineage of the Lord. Et Christ, oh, and Jesus Christ. Il est dans cette lignée-là. Oh, is amen. He left every other but took yes, care of that person. There is a message there. Amen. Mais retenez. But just notice. Bonne chose pour les envoyés de Dieu. She did a good thing for the senders of the Lord. Et Dieu les a récompensés. And the Lord rewarded her. Vous connaissez dans la Bible, n'est-ce pas? You know, in the Bible, dans 1 Roi chapitre 17, in 1 King, chapter 17, on parle de cette veuve-là. They speak of that widow, de Sarepta. That widow of Sarepta. Vous connaissez, n'est-ce pas? You know Jésus même right? a parlé d'elle. Jesus Christ even spoke il, a dit, of her. Il y a eu beaucoup de veuves en Israël. There were many mais le Seigneur a envoyé son prophète seulement vers cette veuve-là. His prophet. Et quand nous lisons dans la Bible, and when we read in the Bible, c'était une femme remarquable. She was a remarkable woman. Quand l'homme de Dieu venu chez elle, God came to her. Elle l'a bien soignée. She took care of. Elle people. Était prête à se sacrifier. She was ready to give her all. Sacrifier ce qui est à elle et à son enfant. And belong to her son pour nourrir to give and to feed the Lord, the man of God. J'ai aimé les récits. De love the recite d'Élie parce que l'homme de Dieu en question c'était Élie le prophète qui l'avait reçu. Elijah the prophet who she received. Il est arrivé. It came to pass que l'enfant de cette veuve là the son of that widow est décédé. He was dying. Pendant le temps que Élie habitait leur the maison, time which Elijah was living in their house, she was eating their, he was eating their pot. Pendant ce temps-là, and in that time, son fils est décédé. Her son died. Écoutez dans 1 Roi 17, verset 1 King chapter 17. C'est un enseignement. Nous allons petit à petit. Hein, on n'est pas pressé. We are going slowly but surely. Verset 19. In verse 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Ouais, pour faire qui? Il le prit. Give me your son. Il saisit la femme. And she took et les monta dans la chambre haute. And brought her in a high place. Où il y demeurait. Where he dwelt.
et les coucha sur son lit. Ça, c'est placed the child in his bed. Puis il invoqua l'Éternel. And he called the Lord God. Écoutez la prière de l'homme de Dieu. Listen to the prayer of the man of God. Vis-à-vis de l'enfant de cette femme-là qu'il a reçu, qu'il a nourri. It was that woman's child. Et quand il y avait des problèmes, and when the problem, prière écoutez, qui compliqué était. The prayer was not a struggle. Amen. Écoutez sa prière. This Élie invoqua l'Éternel et dit, Elijah called the Éternel Lord, mon Dieu, the Lord my God, est-ce que tu affligerais, will you afflict, au point de faire mourir son fils, extent that you will take her son, même cette veuve, even this widow, chez qui j'ai été reçu comme un autre, I was received, voyez qui priait. C'est compliqué, Seigneur. Tu vraiment. So, cette femme avec tout ce qu'il a fait pour moi, all that ton serviteur, que cette chose lui arrive, et quand son, il s'est mis sur l'enfant, l'enfant est revenu à la vie. The son returned to life. Dieu a exaucé la prière. The Lord answered the prayer of his prayer. Voyez. Amen. C'est bien fait. It is done well. Soutenant les royaumes. To support the soutenant l'homme de Dieu. To support the man of God. Lui a fallu une récompense. It needed a reward in return. Pas seulement elle. Not just her. Il y a la tsunamite. But there is the tsunamite woman. Hein? You know that. La tsunamite. Tsunamite woman. Elle ne mettait pas au monde. She could not give birth. Elle n'était pas veuve. She was not a widow. Là maintenant, c'était au temps d'Élisée. That time, it was in the time of Elijah. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois, chapitre 4. In 2 Kings. Élisée passait tout le temps. Chapter 4. Elijah went spend all dans the time. In the. Il passait là-bas. He was. Souvent, il passait par là. Going there. Ah, tu vas donc qui peut dire. Nobody cared about him. L'homme est allé qui. The next day. L'homme est allé qui. The following mais cette femme elle est restée. But that woman she remained. Ah, she said. Non. How come? Ça c'est l'homme de Dieu. This is a man of God. Je ne peux pas laisser l'homme de Dieu parce que non. The man of God. Il l'homme de Dieu please. No, quand tu passes. When you pass. Entre chez moi. Come in my mange house. Quelque chose. Eat something. Et continue ta route. And then you may continue your way. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui vient demander. It was not the man of God. Ce n'est pas Paul qui a demandé à lui. It was not Paul who asked me. Mais elle-même. But she herself. Amen. That's true. Je n'ai pas le temps de lire. Vous pouvez lire ça. The pastor does not have time to read. You can read it. Bon, lisons seulement le verset 8. Hein. Let's just read chapter 8. Il dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. One day Elijah was going to see. Il y avait là une femme de distinction. A woman of distinction. Je vous en prie, cette distinction, ma femme, ça se peut bien entendre. Vous êtes là où vous chôlez ma prédicateur. You are just gossiping about preachers. Oh, look at the ties wearing. Oh, you pay. She means when you look it. Look at the shirt. La carité, you do not bite for him, and yet you are criticizing him. Oh, you pay. This one as well. Mais cette femme, c'était une femme de woman, distinction. She was a woman of distinction. Quand Dieu te bénit, when the Lord blesses you, il bénit le royaume. Amen. He blesses. Et cette femme ici avait la révélation. And this woman had a revelation. Malgré son rang. Regardless of her rank in society, because she was a woman of a general. Mais son mari était tellement vieux. But his wife, his husband was so old that he could not give. Vous savez ça? True. Et il voyait le prophète passer. And she saw the prophet go. Une femme de distinction. She was a woman of distinction. Qui pressa Élisée? Who called Elijah? D'accepter à manger. To accept, who convinced Elijah? À presser. Elle avait la révélation. She had a revelation. Le problème c'est que toi tu n'as pas encore la révélation. The problem is that you do not have the revelation. Amen. J'ai aimé. I must say it. J'ai aimé. I appreciated deux frères, two brothers. Je vais pas citer le nom. I will not say the name. Et même membre de cette église. One is even a member of the church. Ce que j'ai aimé plus. But what I loved most. L'autre là, il était membre. Après, il est devenu pasteur. Was a member then. Prédicateur. Became a preacher. Mais il retenait ses notions ici. But he was keeping these sermons. Un jour, il est venu me voir. He came to see me. À la maison. At home. Il y avait quelque chose, on devait se rencontrer par là. Il venait de loin, he came from Peru, from far. Et il passait des temps difficiles. And he was going through difficult times.
Parce que sa maison était trop problems and this and that. Mais quand il est venu chez but moi, when he came to the pastor, surpris. The pastor was surprised. Il m'a amené, he brought to the pastor a bag of rice and et le lait. And milk. Oh, what's the pastor say? He said, we do not come to a high priest without any gift. He said, this is what they told to us. And j'ai remarqué tous les frères de cette église là. Every brother of the church, ils ont ce comportement. They have that behavior. Quand ils ont quelque chose, when they have something, pastor, take this. Il veut share avec moi. He wants to share. Amen. Celui-là, il est devenu pasteur. Il fait un autre pasteur, je dis, mais ça, c'est remarquable. He gave a gift to another pastor. This is noticeable. Et derrière ça, il y a une bénédiction. Jésus a dit, il y a du bonheur à donner. There is more wonder to give than to receive. Celui qui garde, il ne devient jamais riche. Amen. He who gives a lot never becomes rich. Ça, c'est la Bible. This is what the Bible says. Ce sont les versets de la Bible. These are the verses of the Bible. Cette femme ici that woman avait la révélation. She said, the Bible said, she convinced him to come and eat in her place. Et cela n'est pas s'est arrêté seulement ça à manger. Elle a dit à son mari. She even told her mais cet homme de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse le préparer une chambre, un lit, une table, a place to sleep. Comme ça, de temps en temps, il reste chez nous. Il mange, il se relaxe aussi. He can eat and relax. Il a pressé Élisée, Élisée a accepté. She convinced Elijah and Elijah. Tellement elle était gentille, il soignait l'homme de Dieu. Good towards the man of God. The man of God said that this woman, she's doing so many good things to him. What can we give her? Elle a appelé la femme. He called the woman. You will read that at home. Tu es tellement gentil. He says, you are so wonderful that you are supporting me. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? What can we do for you? Amen. C'est comme ça. This is how it is. Tu fais tellement. You are doing so good. Tu sens que toi aussi tu dois faire quelque chose. But that the person who is doing good, you also think that you must do something. Et ceux qui n'ont rien dit qu'ils ont un problème. And if that person heard that you have a problem, un vrai pasteur, a true pastor, bon mot, that person, it will give him a make him uncomfortable, troublesome. Ah, c'est vrai. It's pourquoi oh Lord, why is it like that? C'est quelqu'un qui soutient. He or she is someone who supports. C'est ce qui s'est passé avec Élisée. This is what happened with Elijah. It is not a sin. Non, il vous a donc un plat. You just want to take favor. You do not know how to take favor before the Lord. Elle a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? He said, non, je suis what can we do? On m'a rien tout. Je n'ai pas besoin we de have chose. Everything, we have means, we are happy. On a l'argent, on a tout ce we have faut. All that we need to go on a, on a pas besoin de quelque we chose. We do not need something la in femme return. Est partie. And a woman mais le prophète n'était pas toujours tranquille. Not on a fait said, quelque chose no, pour cette we femme. Must do something for this woman. Il dit, Gehazi, il a appelé son serviteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Elle est tellement gentille. Elle fait tout pour nous. She's doing everything for us. Il a dit, ah, l'homme de Dieu. He said, j'ai remarqué. Chez lui, il n'y a pas d'enfant. That in her house, there is no child. Je vois que son mari aussi est plus âgé. I see that elle n'a pas d'enfant. Husband is je vois qu'elle a besoin de l'enfant. I'm sure that she needs a child. Amen. Bah, on va continuer la réunion. They entered their meeting. Que le ciel entre en réunion. Let heaven also enter pour toi. En train de voir qu'est-ce qu'on va faire pour lui. So qu'est-ce qu'on va faire pour elle. Elle n'aime pas le Seigneur. She's elle ne veut pas. Elle veut pas le Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. What can we do for her? N'oublie pas. Do not forget tout est écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Written in the book of remembrance of the Lord. Ça. The Lord remembers you. Ça. The Lord comes in vous remarquez ça dans les âges de l'église, n'est-ce pas? You notice in the age of the church. Il ne manque pas à reconnaître les œuvres. He does not miss je connais tes œuvres.
je vois ce que tu fais. I see what you're doing. Dieu voit ça. The Lord is seeing et ça compte chez Dieu. And it is counting for the Lord. Si on t'a enseigné, if they told you, l'église est seulement venue écouter la prédication, tu y es allé et rentré. Tu n'es pas enseigné. And you are not taught well. Amen. Ces choses ici, ça fait partie aussi de l'église. Le royaume de Dieu. Is also part et of the tout church, c'est pour ta bénédiction. Dieu a établi ça comme ça. The Lord has established it. The pastor cannot et je ne peux pas aussi vous cacher and ça. I can also not keep it sinon, from je ne dirai pas un bon service. Oh, the pastor will not be a good service. Especially if Brother Brandon speaks it, and the Bible supports it. Amen. Très bien. Et quand and ils ont compris que when they noticed elle manquait quelque chose, that she was lacking non, something, on doit prier pour elle. They said, no, we must Seigneur pray for éternel. Her. They said, oh Lord, voici que cette femme-là, look at what is this woman she's doing. La prière n'est pas compliquée. Prayer is not Seigneur, hard. Lord, tu sais comment se faire you le know soutien. How that bread is supported. Ne permets pas ceci, Seigneur. Do not allow this, God. Amen. It's true. C'est comme ça qu'il a this is how. Et Dieu a accordé à cette femme-là un enfant. And the Lord gave that woman a son. Vous suivez ça? Amen. Même dans le Nouveau Testament. Even in the New Testament. Parce que c'était des rois because Testament. They say, oh, that was the Old Testament. Même dans le Nouveau Testament. Now in the New Testament. Jésus. Jesus Christ. Jésus. Jesus Christ. Son ministère. His ministry. Il a été soutenu par les he femmes. He was supported by women. Vous savez ça? You notice that? Lisons seulement dans la Bible. Let's read in the Bible. Dans le livre de Matthieu 27. In the book of Matthew 27. Écoutez ce que la Bible dit. Let's hear what the Bible says. Au verset 55. In verse 55. Matthew. Yeah, 27, 55. Matthew 25, 25. Pendant que Jésus mourait à la croix. And Jesus Christ was dying in the cross. La Bible dit il y avait là plusieurs femmes. Many women. Qui regardaient de loin. Who were looking from afar. Elles avaient accompagné Jésus. They were with Jesus Christ. Depuis la Galilée. From Galilee. Pour les servir. To help him. Ils servaient Jésus. They were helping Jesus Christ. L'une d'elles était Marie one Magdala. Of them it was Mary the Magdala. Elle était prête she à faire was tout willing pour le Seigneur. To do anything for the Lord Jesus depuis Christ. Depuis qu'elle a rencontré le Seigneur. Since et qu'elle a she met the Lord Jesus Christ and she heard. Il y a une autre Marie et sa sœur Marthe. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Martha. Marie et Marthe. Mary and ils Martha. Ils habitaient Bethany. They were living in Bethany. Bethany était non loin de Jérusalem. Bethany was not far from Jerusalem. Ils avaient leur frère. They had their brother. Name was Lazare. Vous connaissez. You know the story. Mais Frère Branham a dit. Brother Branham says. Jésus. That Jesus la journée, Christ, il allait prêcher là-bas. In the day, daytime, she was going. Les soirs, il y rentrait. To Israel. Il y rentrait chez cette and famille-là. In the evening, chez Marie et Marthe. To that family, et Marie préparait avec joie pour le Seigneur. Cooking with joy for the Lord. Il soutenait Jésus. She was supporting Jesus. Et quand ils ont eu des problèmes. They had problems. De la mort de leur frère. The death of their brother Lazarus. Jésus est revenu, n'est-ce pas? Il y a eu la résurrection. And there was resurrection. Amen. Ils ont soutenu Jésus. They supported Jesus Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? À la résurrection de Jésus. The resurrection of the Lord Jesus c'est Marie de Magdala là. It was that Mary. C'est elle la première. It was she was à rencontrer le Seigneur. Amen. To meet à sa résurrection. In his resurrection. Pas not even Peter. Amen. Ils sont restés avec le Seigneur jusqu'à dans la tombe. Remained with the Lord Jesus Christ until death. Ils l'ont servi. They served him. Ils étaient là-bas à la croix. They were there quand les disciples les ont fouillés, ils étaient là avec Jean they et les autres en train de pleurer. Others. They were crying and weeping. Il a dit à Jean, he said, they said comme Jean, ton père pour ta... voici ta mère. This is your mother. Ils étaient là. They were there. Amen. That's true. Et quand and when ils ont oublié, others forgot. Le troisième jour, on the third Jésus dans la tombe. Jesus Christ in the ils, tomb. Ils ont pris les parfums. They took perfume. Les parfums, des bonnes odeurs, des valeurs. Oh notre Seigneur, allons-y. On met les parfums. To put perfume. On ne supporte pas. We cannot support it. Qu'ils puissent pourrir that et sentir mauvais. Prier à faire tout ce qu'ils peuvent pour le Seigneur. For the Lord et pendant qu'il est venu, when they will come, ils ont rencontré Jésus. Et Jésus a dit,
Allez dire à mes frères. My brothers. Alléluia. Il n'a pas envoyé d'aller prêcher. He did not send them to go preach. But he told them to go. Témoignez aux frères que je suis ressuscité. Le Seigneur a fait que ça soit et ces femmes là. Le premier à les voir après sa résurrection. Et quand vous suivez les femmes, ils n'ont pas prêché. And when you follow, they did not preach. Ils étaient prêts à servir Jésus. They were willing to serve the Lord Jesus Christ. Materially, amen. That's true. Il faut manger. Eat, must eat. They were there. C'était quoi les parfums? If it was prêt à déverser même les parfums, to give, à essuyer ses pieds avec leurs cheveux. Prêt pour le Seigneur. They were willing for the Lord. C'est pourquoi. This is why. La leçon à tirer. The lesson for today is. Quand tu trouves l'occasion de faire le bien. See an opportunity. Pour les royaumes. For the kingdom, faites-les. Do it. De tout votre do cœur. It with all your le heart. Seigneur, and the Lord Jesus Christ will remember you. Il y a beaucoup de citations qui pourraient sinon on va changer la prédication. Pour rien. Passage, we might change. C'était comme ça chez frère Branham. It was like that to Brother Branham. Il pouvait sortir comme ça. He could go like this. Sans dire without quelque chose. Without even saying a word. And as you know. They will put fruit. They will put many stuff in front of these. The person who came to put it, they didn't know. It is in the message. Si toi tu le fais, if you are doing it, est-ce que c'est mauvais? Is that a problem? Bon, mm-hmm. Pour le faire, ne le faites pas. To do it, do not do it. Mais c'est pour les pasteurs, c'est ce que Frère Branham dit. Do it for the pastor. This is what Brother Branham says. Parce que Frère Branham dit dans l'ordre de l'église françoise. In order of the church. S'il faut faire l'offrande d'amour. If you must do a love offering. On le fait seulement pour les pasteurs. You only do it for the pastor. Pour la personne qui est le pasteur vous dit, faites l'offrande d'amour pour lui. The pastor saying, do it for. Amen. Vous suivez ça? Then you following that? Amen. Mais dans l'église, but in the church, pas seulement pour les pasteurs, not only for the pastor, faites-les aussi pour les bien-aimés qui sont dans les besoins. Et le Seigneur vous récompensera. Will reward you. Vous connaissez Tabitha, n'est-ce pas? You know Tabitha. Tabitha, elle faisait Tabitha, pour tout le monde. She was doing it for everyone. Ceux qui étaient démunis, parce qu'elle était une femme qui a des moyens. Because she was a woman with means. Les orphelins, les veuves, qui n'avaient pas les moyens. Mais toi, tu en as toi. Est-ce que tu peux pas lui donner un? Cannot you give him one? Tabitha, quand il remarquait, ah, celui-là n'a pas d'amis. Il va faire la vie. That one didn't have clothes. Oh, ma veuve, pas ça, pas mon aïe. The widow, il faisait quelque chose pour elle. She was doing something. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? You know the history. Quand elle est morte, when she died, la communauté ne pouvait the pas whole supporter community could not sa disparition. Ils ont fait appeler Pierre. Peter. Pierre a écouté les témoignages. Elle ne pouvait pas se retenir. And he could not stop himself. Il a été chopé. Il est jusqu'à là où était David. Les gens étaient là, ils lui montraient. Regarde la vie ici. C'est elle qui m'avait donné ça. Mais c'est elle qui a fait ceci pour moi. Oh Dieu, fais quelque chose. You do something? Et avec cette atmosphère, la positivité dans les cœurs et les pensées des gens vis-à-vis de toi. Quand on fait une prière, when you do a prayer, Dieu qui regarde le ciel. At the words, il exauce. He will answer you. Et quand Pierre a prié, and when Peter prayed, Tabitha came back to life. Ressuscité. Amen. Ouais. You see, ce n'est pas seulement vers les pasteurs. It is not only towards vers the pastor, les nécessités. But it is towards also faites your brethren. Do good to brothers et and to your sisters. This is what the Bible says. Amen. Lydie était originaire. Ordinary person. Originaire de Thyatire. Oh, she was hailing from Thyatira. L'historique de Thyatira. The story of Thyatira. Let's continue. Des ans ici, 206. Si l'esprit a choisi cette ville. If the spirit chose that city. Comme celle qui contenait déjà les éléments spirituels. As the one that
the one containing spiritual elements qui allait caractériser le quatrième âge. That would characterize the fourth age. C'est à cause de sa religion. It is because of the town's religion. Est-ce que vous suivez? Do you follow? La religion qui était à Thyatira. The religion that was in the town. C'était la caractéristique majeure. It was the major characteristic. Qui a fait que le Seigneur prenne cette ville-là, l'église qui était dans cette ville-là, comme the church, that modèle, comme un type de ce qui se passerait au quatrième âge. Vous comprenez, mais non? Il dit la religion dominante à Thyatira, c'était le culte d'Apollon. It was the Dirne. It was the worshiping of Apollon. Une divinité. A Greek divinity. Apollon. Apollon. Il dit ce culte de ces dieux-là. It was Apollon. Associé au culte de l'empereur. Associated with the teach, the worshiping of the emperor. Empereur. A emperor. César était aussi Dieu. The emperor Dieu. Caesar was also a god. Dans la chair humaine. Or god in human flesh. Apollon, Apollon était le dieu soleil. Apollon was the sun god. Vous suivez ça? You follow that? Le second en puissance après Zeus, son père. After Zeus, his father. Zeus, on dit c'est le père des dieux. Zeus, we say it is he is the father of gods. Là, Apollon était son fils. And Apollon was his son. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. I do not know if you understand it. Il écrit à l'ange de l'église de Thyatira. Voici ce qu'il dit. This is le what fils de Dieu. The son of God says. Quand ils avaient une divinité là. When they had that divinity. Apollon. Apollon. Il se disait fils de Dieu. He was calling himself son of God. Christ à cet âge là. Christ in that il se présente comme le véritable fils de Dieu. He intervened and he presented himself as the true son of God. Amen. On l'appelait celui qui détournait le mal. He who was turning back, turning away the evil. Il dit. He said. Il communiquait aux hommes sa connaissance, la connaissance de l'avenir. You are sharing to men Apollon. The knowledge of the future. À Thyatira. In Thyatira. Ses rites étaient présidés par une prophétesse. His worshiping was led by a prophetess qui s'asseyait sur une chaise à trois pieds. She was sitting in a chair with three feet. Et qui entrait en transe pour apporter les prophéties des messages. And she was entering in trance and spirit to give prophecies. Ça c'est la religion this qui était à Thyatira. Religion that was in Thyatira. Des majeurs. Two majors. C'était l'adoration, l'église d'Apollon. Of Apollon. Et de l'empereur. And mais of c'est the emperor. Apollon qui était au-dessus. But it was Apollon who was above. Et amen. Apollon était and le fils Apollon de Dieu. Was the son le fils de Zeus. Of Zeus. Et dans leur rite, dans leur kit, worshiping in their service, ils avaient au top là-bas they had as a chief, une femme prophétesse. A prophetess woman. Et dans leur rite là, dans ce kit de ce Dieu là, cette prophétesse là, s'asseyait sur une chaise she was sitting on pour prophétiser et conduire une chaise qui avait trois pieds. A chair which had three feet. Vous voyez ça? You see that? Vous allez voir ça là. You will see it. Mais remarquez, but notice, c'est la prophétesse. It cette femme-là, c'est a elle woman. Qui dirigeait l'église. She was the one guiding the church. Et Frère Branham dit, c'est cette religion-là qui a dominé. That religion that was ruling over. Et cette religion qui avait une emprise extraordinaire. A great influence. Sa formidable puissance. It's marvelous. Authority. Ne provenait pas seulement du domaine mystère, did not just come in mystic domains, mais elle provenait aussi du fait que l'on ne pouvait pas être membre de l'île de corporation. That you could not be a member of a certain authority. Corporation qui permettait à gagner sa vie. Which allowed to gain life. Sans pratiquer ce kit d'Apollon. Or without it. You could not be part of a society without being part of that donc, religion. La ville était organisée en corporation, corporation à Bamboué, corporation à Bamboué, c'est comme ça dans les business, dans les affaires. This is how it et la femme a dit, dans cette ville-là, in
où le culte dominant c'était d'Apollon, vous ne pouvez pas gagner la vie. You could not have sans batterie dans une corporation, et cette corporation qui était dans la religion d'Apollon. You follow that? Ouais, la marque de la bête. You see the mark of the beast? Donc pour gagner la vie à Thyatire, in order to have a good life, il fallait appartenir à cette religion. You need to be part of that religion. Si tu n'es pas de cette religion, if you are not part of that religion, gagner l'autre côté. You want to. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, hein? This is what we are seeing today. C'est ce que nous voyons. This is what we are seeing today. Pour avoir des marchés. In order to have great. Pour être engagé dans des grands organismes. To have great. Surtout international. Especially. Là, on paye beaucoup d'argent. Where they're giving a lot of money. Il faut de sorte que dans l'ordre. You must be a person of God. Or you must be ça n'a pas commencé aujourd'hui. It did not start. C'était today. Déjà à Thyatire. It was already since that. Ça c'est l'histoire. This is the story. C'est ce qui se passait dans cette ville. What happened in that city? Amen. Et voilà, continue. Tous ceux qui refusaient. Whoever refused. De se joindre. To join. À ces fêtes idolâtres. That idol pagan feast et à ses orgies étaient exclus de ces syndicats. They were excluded of that society. Ces syndicats du premier siècle. That authority of having first et place. Pour participer à la vie sociale. In order to participate in social et commercial. And economic life. Il fallait pratiquer le paganisme idolâtre d'Apollon. Worshipping of Apollyon. Amen. C'était comme ça. It was like that with that terror. Et Frère Branham a dit. And Brother Branham said. Chose fort remarquable. That what is noticeable. Le nom même de Thyatire signifie. The very name of that terror. Femme dominatrice. That a woman who is ruling. Et dans cette ville là. And that in that. Dans la religion d'Apollon. In the religion of Apollyon. Une femme qui était là. A woman was above them. Comme prophétesse. As authority, as c'est a elle qui conduisait. She was the one ruling everything. Elle s'asseyait sur une chaise à trois pieds. She was sitting in a chair with three legs. Amen. Amen. On va continuer avec la femme dominatrice. We will continue with the ruling woman on Wednesday, God willing. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Amen. Retenez. Notice that. Le quatrième âge de l'église, that the fourth age of the church of Thyatira, ce sont des choses qui sont passées au cours des. There are things which happen in the l'histoire de l'église, the age of the church, où nous voyons cela se dérouler encore dans ce temps de la fin. Ok, chantons. Let's sing a song. La voix du Seigneur m'appelle. The voice of the Lord calling me. Levez-vous. Ta gloire.
sois sauvé. Réclamez-le. Cet après-midi, Lord, I will pray this que tu nous donnes la perspicacité that you make spirituelle et quelle que soit la situation, remain, je demeurerai toujours en toi, Christ et Jésus, always, et de savoir accomplir ta volonté, que l'on marche en Seigneur Jésus, comme des enfants obéissants, obedient children, et qu'au retour, Dieu Tout-Puissant, return, Lord, que tu sois satisfait de nous, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons ces jours-là entendre ces belles choses, Seigneur, that pleasing voice, qui dit, Seigneur that Jésus, will tell us, fidèle, oh, faithful ones, serviteur, my faithful servant, entre come in dans le royaume. Into the kingdom. Nous voulons, Seigneur Lord, Jésus, we want entendre that. Cela de toi. We want to hear c'est pourquoi aidez-nous, Seigneur Jésus, so that is why à rester fidèle au Père, à tes principes, to à ta parole, to your word, à
tes recommandations. And to your Lord. De sorte au Dieu tout-puissant. That such that Lord Almighty. Que tu nous bénisses. That we may, que you may bless us, Lord. So you may be shown in our lives. Bless me, shout tabernacle. Oh, Dieu bien-aimé. Lord Almighty. Donne-nous des lumières. Make of us lights. Oh, des lampes qui sont mises sur la table. Lamps which are placed. Les lumières qui sont sur la montagne. Oh, lamps qui éclairent partout, Seigneur. Afin d'amener les âmes à toi, Seigneur Jésus. Nous réclamons nos bien-aimés. Nous réclamons ceux qui nous sont chers. Qu'ils soient sauvés, Seigneur. Travaille tellement à nous, Jésus. Que soit ton Père céleste. Qu'ils puissent te voir à nous. Et venir à toi, Seigneur Jésus. Bénis ma soeur. Qui a reçu ta parole. Bénis mon frère. Bless my brother. Qui a cru, Seigneur. Who has believed. Oh, Jésus Christ. Lord Jesus Christ. Maintenant que nous voulons rentrer. Rentre avec nous, Seigneur Jésus. Return with us. Dieu tout puissant. Lord Almighty. S'il y a des requêtes. If there are requests. Des cas de maladie. Or cases of ou des complications. Oh, Dieu est spécialiste. Lord, you are the master. Oh, des choses difficiles. Difficult things. Entre en scène, Seigneur Jésus. Into scene. Pour répondre favorablement à chaque requête, Seigneur Jésus. And to every request. Bénis les dîmes et les offrandes. Lord, bless the tithes and offerings. Et bénis-nous en toutes choses. And bless us in all things. Au nom de Jésus Christ. Et pour la gloire de Jésus Christ. And for the glory of Jesus Christ. Thus we have prayed and all. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you all. Nous sommes arrivés à la fin. We have reached the end. Oh, je crois qu'on peut continuer cette semaine avec mercredi les temps. I believe continue Wednesday is no more time. Bon, on n'a pas donné les offrandes. On va donner les offrandes. Pendant que nous chantons How Great Thou. As we are singing How Great Thou. Va chanter ça avec le rythme. Nous donnons les offrandes et puis nous partons. We give the offerings and then we can leave. Ok, allez dans la paix du Seigneur Jésus. Go in the peace of the Lord Jesus Christ. Oh Lord my God, when I hear someone.